Hey, salut toi, jeune délinquant de la gâchette, j'espère que tu vas bien. Et si on parlait Airsoft aujourd'hui, pour changer? P99 DAO 6 mm Airsoft, environ 2 joules, réplique authentique, Walther, distribué par Umarex. Déjà, quand je dis ça, c'est signe de qualité. J'avais déjà présenté le Glock qui avait énormément plu. Et ce modèle-là, blowback, beau bruit, bonne puissance, va ravir beaucoup d'amateurs d'Airsoft. Et même pas que des amateurs, peut-être d'autres qui sont complètement passionnés d'Airsoft. Alors oui, la puissance ne vous permettra pas d'engager dans un club, mais ça reste quand même une très belle réplique et une très bonne arme de loisir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le petit package? Un livret, du papier bulle pour protéger, un autre livret, la réplique, c'est mieux, t'as commandé une arme, donc vaut mieux qu'elle soit dans la boîte, sinon c'est chiant. Et quelques billes d'origine, mais j'ai utilisé plutôt celle-ci, moi. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir le sachet, parce qu'une fois qu'il est ouvert, il n'est pas refermable, donc c'est chiant. Et puis j'en ai à disposition. Je vais utiliser de la Elite Force en 0,25 grammes. C'est recommandé 0,25 et 0,28 pour cette arme, qui fonctionne au CO2. Sparklet de 12 grammes. D'ailleurs, je te mettrai tous les liens dans la description si tu veux l'acquérir, avec les codes de réduction sur le site MaxiProtech. On a une réplique authentique, hein. C'est sous licence pour Umarex, donc Walther, très joli, ambidextre au niveau de la descente de chargeur, où on peut mettre 15 billes en 6 mm. La sparklet se met ici via la petite trappe qui se trouve derrière, et c'est sans outil, puisque c'est une molette de serrage, donc plutôt simple, ok. D'ailleurs, on va en profiter pour mettre la sparklet maintenant, ce sera fait. Vous avez un petit cran de sûreté sur le côté ici, donc là, on est en double action. Et là, quand on vient mettre la sûreté, on neutralise complètement la queue de détente. Alors, on vient mettre la petite sparklette. On vient mettre la petite sparklette derrière. On vient serrer tranquillement la petite molette. Sans s'énerver, ne soyez pas trop brutal comme ça, hein. Ça sert à rien. On rabat, c'est prêt. Ok, il ne restera plus que le chargeur à mettre. On vient remettre le petit cache de la poignée. Merci à l'avion qui passe pendant que je tourne ma vidéo. Alors oui, intéressant, ce petit bruit. Écoutez-moi ce petit bruit de culasse blowback. Écoute. Franchement. Pareil, quand vous avez fini le chargeur, il y a l'arrêtoir de culasse. Super sympa, vraiment, j'aime bien. Ou une petite lampe tactique, ou un pointeur laser, ou un combo des deux. Les organes de visée sont munis de points blancs pour prendre une visée rapide et claire. C'est tout sympa. Bref, il n'y a rien à dire, hein. C'est du P99. Hein. La poignée est très agréable, bonne prise en main, très bonne ergonomie. Et c'est une très bonne arme. C'est encore une fois, c'est une très bonne réplique arme pour faire de la manipulation, de mise en service et de mise en sécurité pour ceux qui aimeraient avoir quelque chose qui s'approche le plus d'une vraie arme. Voilà. Et puis, c'est très fun. Et puis, ça tape plutôt pas mal. Pas vous mentir parce que j'ai déjà testé. Hein, voilà. Ok. On va alimenter ce petit chargeur. Donc, très simple, il y a un petit trou ici. Vous tirez votre sort, vous le mettez dans le cran là, et le petit trou qui est ici va servir à alimenter donc de 15 billes. J'en profite pour vous dire que vous avez dans la description tous les liens de réduction sur le site MaxiProtech. Merci à ceux qui s'abonnent, qui laissent un petit commentaire. On est en road to 20K. Il y a une vidéo de cadeau HDX68 pour les 20 000 abonnés. Il faut aller dessus et marquer hashtag je participe. Je vous mettrai le lien là, maintenant. C'est la magie du montage, je sais. Et du coup, un petit com pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Devenons la plus grosse team de délinquants de la gâchette du YouTube game. Ça vous dit ou pas? Ça peut être terrible. Hein. Ça peut vraiment être terrible. On est en live tous les lundis à 21h. Enfin, compte 21h15, parce que je suis jamais à l'heure, forcément. Et là, on a quasiment tout mis. On en met une dernière. Hop, et là on est prêt, on rabat le ressort, on est prêt à faire feu. Enfin, faire feu, c'est un grand mot, encore une fois, ça reste une réplique. On enclenche le petit chargeur,
Et on est prêt. La sûreté est enclenchée pour l'instant. On va pousser la petite boîte. On va se mettre bien. Je vais mettre la caméra en route là-bas. Et on va se faire deux chargeurs, je pense, et voir comment ça groupe. Ok. Donc, ça tourne. Qui dit airsoft, babies, plomb, peu importe. Lunettes de sécurité, là j'ai une distance de 7 mètres, je tire dans un carton, j'ai pas grand risque de ricocher, mais le risque zéro n'existe pas. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, sur un test d'armes, babies, j'ai failli perdre un œil. Ça a ricoché juste dans le coin, vraiment le coin, parce que, comme un gros débile, j'avais oublié de mettre mes lunettes. Voilà. Ça fout mal, ok ? J'aurais été bien avec un œil en moins. Cool, super cool, pour avoir fait un essai d'armes. Très bête. Donc pensez aux lunettes, c'est important. Surtout que celles-là, elles ont la classe, on dirait Pascal au bistrot. Je suis prêt, j'ôte la sûreté, donc pour ôter la sûreté, c'est facile, vous appuyez, vous tirez en arrière, la sûreté est ôtée, et on est parti, et on va essayer de voir où va la première, et ensuite on va réguler. Ok. Ok. Plutôt sympa en fait, hein. T'as vu ce petit bruit ou pas? Vous voyez l'arme? C'est une bonne sensation de recul en plus, là, c'est super sympa. Ah, puis ce petit bruit aussi, il va bien, là, là. Et quand on a fini, arrêteur de culasse. On sort le petit chargeur. Donc c'est complètement ambidex, puisque le bouton de chargeur, de retrait de chargeur est ambidex, c'est sous le ponté. Parfait, ok. Donc on va réalimenter. De 15 billes, et on va se faire une deuxième salve, mais je trouve qu'on est pas mal groupé pour du 7 mètres, surtout que c'est de la bille, donc bon. Alors le réglage du hop-up, excusez-moi si je me suis trompé de terme, c'est hop-up environ, en gros, vous m'avez compris. Il n'y en a pas, mais ça tire quand même plutôt pas mal, droit. Donc, on a sur une puissance de 2 joules, environ 120 mètres secondes annoncés. Je sais pas, bref. Donc ça frappe plutôt pas mal, le bruit est agréable, le blowback est superbe. Donc pour ceux qui cherchent toujours une arme en blowback pour le fun tir, un truc qui frappe bien, bah écoutez, bah celui-ci ou le Glock, hein, je vous invite à aller voir la vidéo du Glock que j'avais tournée, seront largement suffisants. Reste là toi, t'en vas pas. Et voici la 15e, hop, on remet le ressort. On vient enclencher le chargeur et on est prêt, on rabat la culasse, paf, on est bien. Allez, c'est parti pour une deuxième salve. Double action. Only. Je suis un petit peu monté là. Bon, c'est pas grave. C'est quand même correct. Hein. C'est même plus que correct. On reste dans la cible. On n'a mis aucune à côté. On descend un peu, on va compenser. Très bien ce petit flingue. On est vide. Manip de sûreté. Il n'y a plus rien. Voilà. On va chercher la cible, on fait le petit compte rendu. Ça fait plaisir. Bon alors écoutez, c'est quand même relativement assez précis, hein, puisqu'on en a mis pas mal ici. Donc il aurait fallu que je compense un peu plus tôt, mais je voyais pas trop, mais on en a mis dans le milieu aussi. Donc on a une très grosse partie des billes qui ont été ici. Le reste c'est là, mais ça reste dans un très bon périmètre du 8 par 8 à 7 mètres pour de l'airsoft, c'est largement suffisant. Et encore, hein, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de pointeur laser, on peut toujours ajuster et améliorer la visée. Donc validé, déjà c'est un très bon produit. Validé parce que c'est un très bon produit, autonomie 3 chargeurs environ, après vous perdez de la puissance, mais voilà, je vous le montre quand même de près, il est quand même magnifique. P99 DAO, 6 mm, Airsoft, tout est fidèlement reproduit à l'identique, il n'y a pas de fioriture, très 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 joli, j'adore, je suis complètement fan. À comparer avec le Glock que j'avais présenté, je dirais qu'ils sont kiff-kiff hein, quand même. Hein. Ils sont très jolis, sauf que le Glock avait le réglage du hop-up. Mais celui-ci va quand même relativement droit, donc est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je ne sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Donc je vous mets tout ça dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force à la chaîne. Road to 20K, je compte sur vous. À la fin de l'été, on est 20 000.
Si t'es chaud, partage cette chaîne un peu partout sur les réseaux autour de toi et invite des gens à venir s'abonner, ça fait toujours plaisir. On est en live, je vous dis, tous les lundis à 21h, il y a un petit cadeau à gagner, il y a toujours des petits lots, il y a les réductions Olight, il y aura un cadeau Olight par mois pour ceux qui auront commandé sur le site via mes liens dans la description, etc. etc. On n'est jamais en manque d'idées ici, ok? Passe une agréable journée, je te dis à plus, tchuss!